Aujourd'hui, c'est enfin le dernier jour d'école avant les vacances. Et nous allons avoir nos résultats. J'espère que je n'ai pas de mauvaise note. Oh, tu sais, ton bulletin ne peut pas être si mauvais. Tes tests sont toujours bien passés. Bonjour! Ah, c'est bientôt les vacances! Ouais, enfin! Je dois y aller. Moi, à tout à l'heure. Je suis vraiment impatiente de voir ton bulletin. Au revoir! Au revoir! Heureusement, nous sortons de l'école tôt aujourd'hui. J'ai hâte d'être en vacances. Oui, nous aussi. Mais on reçoit d'abord les bulletins. Tu crois qu'on aura de bonnes notes? J'en sais rien. Mais j'ai toujours tout fait comme il faut. Ouais, moi aussi. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Bader. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école, avant les vacances. On a cours aujourd'hui? Non, d'abord nous allons nettoyer la salle de classe. Et après seulement, vous recevrez vos bulletins. Ensuite, vous serez autorisés à rentrer à la maison. Cool! Alors, de Lucas et de John, j'attends toujours de récupérer les livres, que vous n'avez toujours pas rendus. Ah ouais, c'est vrai, je les ai toujours oubliés. Bien, merci. Mon livre de lecture avait disparu, mais heureusement que je l'ai trouvé derrière mon aquarium. Maintenant, vérifiez s'il ne vous reste pas quelque chose au casier, sous vos tables. Non, j'ai plus rien. Mais là, il y a une pomme pourrie. Ah, Berk, il y a du moisi. Apparemment, c'est pour ça que ça sentait toujours mauvais. Alors là, il y a vos dossiers avec tous vos travaux pratiques. Je vais vous les donner pour que vous puissiez les emmener. Il faut le garder? Seulement si vous en avez envie. Je n'en ai plus besoin en tout cas. Bon, ensuite nous allons regarder dans les placards. Qu'est-ce que nous avons ici? Une boîte d'aquarelle et deux pinceaux. Ils viennent de Lisa. Voilà. Oh merci. J'avais complètement oublié. Bien. Maintenant, nous avons tout rangé. Alors, il est temps de vous donner les bulletins. Oh, maintenant, ça commence à devenir intéressant. Oui. Oh, bien. Je suis satisfaite. Très bien, Sidra. Tu sais que tu peux mieux faire. Ah, génial. Malte. Cool, ma mère sera étonnée. C'est vrai, mon bulletin n'est pas top. Bon, Lena et Lisa, voilà. Hein? Quoi? Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances. Et surtout de bien vous reposer. Au revoir! Qu'est-ce qu'il y a, Lena? T'en fais une tête. Ouais, regarde! J'ai un 3 en maths et un 4 en allemand. Quoi? Pour les deux matières, j'ai 2. Regarde là, tu vois? Hein? C'est pas possible! Oh non, qu'est-ce que vont dire mes parents? Je ne veux pas leur montrer. Je peux comprendre. Tu as toujours fait ton mieux. Peut-être que Madame Bador ne m'aime pas. Non, arrête, je ne crois pas. Lena arrive! Salut Lena! Salut! C'est un bulletin? Non, n'importe quoi. C'est mon dossier de recherche. Alors, c'est enfin les vacances. Comment est ton bulletin? Ouais, enfin les vacances. Bonjour Lena. Comment ça s'est passé à l'école aujourd'hui? Nul. Ah ouais, vraiment? Et ton bulletin? Je dirais rien. Bon, tu sais qu'il faut que tu nous montres le bulletin parce qu'on doit le signer. Tu as toujours travaillé dur. Nous n'allons pas te gronder, Lena. Nous n'avons pas toujours de bonnes notes. Allez, ça ne peut pas être si grave. Bon, bah d'accord. Alors, je vous montre quand même. Allez, je suis bien impatiente. Tiens, voilà. 3 en maths, 4 en français. En français, t'aurais pu faire mieux. C'est vraiment bizarre tout ça. Vous voyez, Lisa a eu un 2 et elle n'était pas meilleure que moi. Regarde sur la page suivante ce qu'a écrit Madame Bader.
Est-ce que tu l'as lu? Non. Malte s'est montré très amical envers ses camarades de classe. Malte? Malte? Pourquoi Malte? Je ne m'appelle pas Malte. Ah mais oui, en effet. Mais c'est même pas ton bulletin, Léna. Oh non, c'est le bulletin de Malte. Je vais immédiatement téléphoner chez Malte. Peut-être qu'il a ton bulletin. Bonjour, ici Nicole Hauser. Léna a eu de Madame Bader le mauvais bulletin. Par contre, elle a eu celui de Malte. Oui, Madame Hauser, les bulletins ont été échangés. On s'est vite réjouis au début quand on a vu les notes, mais après nous avons remarqué que c'était pas normal. Pas de souci. Vous pouvez venir. Oui, Malte a ton bulletin. Ils vont nous le ramener. J'y crois pas, j'étais si énervée. Voilà ton bulletin. Oh non, j'étais si contente des bonnes notes que j'avais eues, dommage. J'imagine, Malte. Youpi, un 2 en maths et un 2 en français. Oh, c'est vraiment bien, Léna, bravo. Bon, eh bien, si je devais donner une note à Madame Bader, je lui aurais mis 6 pour avoir échangé des copies. J'espère que vous avez aimé notre petite histoire. Donnez-nous un coup de pouce. Voici une petite sélection d'autres histoires de la famille Hauser. À bientôt. Au revoir.